Alors, messieurs, si je vous ai convoqué ce matin, là, c'est pour vous faire part de mon plan de réorientation de l'entreprise et la façon dont ça pourrait vous concerner. Est-ce que je vais avoir droit à une prime de départ? Mais de quoi tu parles? Bien, d'habitude, quand un patron parle de réorganisation, de restructuration, de rationalisation, ça veut juste dire qu'il cherche un synonyme à 4 %. Laisse-le continuer, on va bien voir. Ça t'inquiète pas, toi? Pourquoi ça m'inquiéterait? Ben, Félix Leclerc l'a écrit dans une de ses chansons, « La meilleure façon de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler. » Ouais. Il avait pas essayé avec un dos, sinon il aurait pas écrit ça. Bon, là, c'est-tu beau, là? Je peux-tu continuer? Ouais, vas-y, vas-y. Bon. Puisqu'il le faut. Alors, je me suis dit, là, qu'il était temps que le magazine Kilomètre Heure, là, se prolonge au petit écran, non pas seulement sous la forme d'un magazine imprimé, mais aussi télévisé. Hein? Oui! Attends, tu veux dire que tu veux produire une émission de télé qui porterait sur l'automobile? Ben oui! Qui est mieux placé que nous pour faire ça? On a toutes les ressources, là. On a les connaissances, des chroniqueurs crédibles. Et un animateur potentiel. Je sais pas, là, si ça me tenterait de faire ça, là, moi. Je parlais pas nécessairement de toi, là. Non, regarde, Denis, je sais où tu vas en venir, là, mais c'est que dans cette émission-là, là, ça s'adressera pas seulement, là, aux gars de char, là. Il faut que les femmes, là, se sentent en confiance avec l'animateur. C'est pas un problème, ça, là. Ben oui, mais... Il faut les toucher. Ah, ben là. Ben oui, il faut qu'elles sentent, là, qu'ils les respectent. Ouais, avec un peu de coaching, là. Ah. Mais là, Roxane, ça, cette émission-là, ça s'appellerait comment? Kilomètre-heure. Comme le magazine? Comme le magazine. Ben voyons, une émission de télé qui s'appellerait Kilomètre Heure, ça marchera jamais. Une émission de TV. Une émission de TV. Avec toi dedans? Ben oui, mais on revient-en, Germain. Qu'est-ce que tu ferais s'il y avait une animatrice de Météo Média qui rentrait ici? Hey, fais-moi pas rêver, toi, là. Là. Mais ça veut dire que tu vas peut-être avoir besoin d'un co-animateur. Pourquoi faire? Ben, c'est pour répondre aux questions plus techniques. Je dis ça de même, là, vite fait, là, mettons un mécanicien. Je vois où tu vas en venir, Germain, là, mais tu serais pas à l'aise dans l'univers de la télévision. Comment ça? Ben, c'est parce que ben, ça prend quand même un minimum de vocabulaire, tu sais. Ben, c'est précisément ce que j'ai, moi, un minimum de vocabulaire. Dîner. Ouais, même que c'est un peu étrange. Non, je veux juste qu'il voit à quel point je l'accepte et c'est où sa place dans la famille. Oh. Puis, où je m'assois? Ici. Papa. Bon, mais Denis, de toute façon, je te vois mieux d'ici, OK? Ah oui, donc. Puis, quoi de neuf? Ben, figurez-vous donc que je viens de rencontrer Roxane à Kilomètre Heure. Non, si tu penses que ça va donner quelque chose dans la tétée, là. Ah, c'est elle qui m'a appelé? Ah ouais? Oui, puis elle m'a confié qu'elle voulait produire une émission de télé qui porterait sur l'automobile. Pourquoi tu as dit ça à toi? Je sais pas trop. Mais bon, elle m'a parlé de ce qu'elle attendait d'un animateur éventuel. T'es pas sérieux? Elle veut pas que l'émission s'adresse juste aux gars de char. Elle veut que l'animateur soit capable de mettre les femmes en confiance. C'est pas un gros problème, ça, là. Mais Annie, je l'ai touché. Et surtout qu'on semble qu'il les respecte, OK? Comment vous savez ça, vous? À qui tu penses qu'elle va faire le show de TV? Hein? Elle te l'a offert? Ben, implicitement, là. Hey, Denis! Hey, Mélanie! Hey, Nico! Hey, Francis! Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'animateur de la nouvelle émission sur l'automobile, clenche-moi ça avec Germain Langlois! À la télé? Non, 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 à la prestigieuse station de radio communautaire, c'est JSP! On va écouter ça? Hey, certain. C'est sur quelle fréquence que tu pognes ça, ce poste-là? 640 AM, 780 AM et 92,9 FM, ça dépend d'où vient le vent. T'aurais dû me voir durant le screen test. C'est quoi ça, un screen test? Ah, excuse-moi. Dans notre jargon à nous, là, les gens de la télé, là,
C'est comme une audition filmée pour voir comment est-ce qu'on passe bien à l'écran. Ah oui, et puis, comment ça s'est passé? J'ai été génial. Selon qui? Oh. Selon tout le monde, moi, mais surtout le réalisateur. Ils sont obligés de me prendre comme animateur. J'ai été le meilleur. Mais ils ont essayé de m'en passer une petite vite, hein. Ah oui, à quel sujet? Quand ils m'ont demandé de parler des performances de Cherokee 2004, je lui ai dit moteur 6,4 litres, 195 chevaux à 4600 tours, 0-100 en 9,9 secondes, quintoué. Oh mon Dieu! Impressionnant, hein? Ouais, je comprends. Ça doit polluer un gros moteur de même. Ah, Denis, t'es là. Pis Roxane. Impressionné? Ben, dans un certain sens, oui, là. Bon, j'ai visionné ton premier screen test, là. Pis? J'ai tellement ri, là. Oh, surtout, là, quand tu parles de l'accélération de 0 à 100 là, en 9,9 secondes. Je me demandais si tu parlais de la Jeep ou bien donc de ton débit quand tu parles. Peut-être parler un peu vite parce que là, je suis un petit peu nerveux, oh, là. Mais non, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a ton accent. Mais ça, mon accent? Non, non, mais gars, ça fait un petit peu région, là. Il n'y a pas rien que Montréal dans la vie, là. Mais oui, mais notre public cible, là, c'est du monde chez qui le câble se rend. Très drôle. Mais non, mais l'émission va s'appeler Kilomètre-heure, là, hein? Pas les arpents verts. Non, viens, en plus, écoute, il y a ta diction, là. J'essaierai là, ma diction. Mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a au-dessus là, de 100 000 mots dans la langue française qu'il faut que tu les dises tout en même temps. C'est pas si pire que ça. On dirait que c'est pas des phrases que tu dis, mais des mots de 50 syllabes. Oui. Tu devrais prendre exemple là, sur Francis. Lui, là, il a une très, très bonne diction. Non, non, mais c'est vrai. Moi, là, si je voulais la job, là, je m'organiserais pour prendre un petit cours de diction. Jamais. J'ai mon orgueil. Les chemises de l'archiduchesse. Sèches sont-elles sèches ou archi-sèches? Je sais pas, c'est Nico qui a fait le lavage. Qu'est-ce qui te prend de faire des exercices de diction? Ah, je fais juste parfaire mon excellente diction pour mon show de TV. Puis comment ça s'est passé aujourd'hui? Ah, très bien, tout le monde a été renversé par ma performance. C'est drôle, c'est pas ça que Francis m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Salut, Mélanie. Salut, Francis. Salut, Mélanie. Bonjour, M. Charvet. Qu'est-ce que t'as dit à Mélanie concernant mon screen test, toi? Ah, moi, rien. J'ai juste répété ce que Roxane avait dit sur le plateau de tournage. Et que vous parliez vite, avec un accent. Ça va. Peut-être que, comme toi, je parle pas avec une bouche en trou de cul de poule. Mais au moins, quand je parle de char, moi, je suis compétent. Moi aussi, M. Charvet. Ah ouais? Alors, parle-moi donc de la performance du Cherokee 2004. Bien, que c'est un véhicule avec un moteur de 6,4 litres qui développe 195 chevaux à 4600 tours avec une accélération de 0-100 en 9,9 secondes. Et qui a une reprise de 80 à 120 km/h en 8,2 secondes et un freinage avec frein ABS de 100 à 0 sur 41 mètres, point 2. On est aussi à radio, le show de Germain va commencer, là. Non, je vais aller dans ma chambre, moi. Là, franchement, tu pourrais au moins encourager ton meilleur chum. C'est une petite émission de radio cheap, tu sais. Mais au moins, lui, il y en a une émission, hein? Sur les ondes de CJPS 680, vous écoutez Clenche-moi ça avec Germain Langlois. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la première émission de Clenche-moi ça avec moi-même, Germain Langlois. Il me fait plaisir de vous parler d'automobile, de voiture et même de char. Et ce soir, j'ai choisi un sujet accessible à tous, sujet libre. J'attends vos appels. Les circuits sont libres, n'hésitez pas à m'appeler. Ouais, ça a pas l'air à marcher fort, son émission. Hein? Oh, on a un premier appel. Clenche-moi ça avec Germain Langlois. Bonsoir. Docteur Mayou. Hey, ça n'a pas d'allure. Faut faire quelque chose. Nico, appelle-le. Mais là, je connais rien, moi, dans l'automobile. Pose-y une question facile, n'importe laquelle. Oh, on a un autre appel. Clenche-moi ça avec Germain Langlois. Bonsoir. Oui, c'est Sylvain de Mascouche. Comment ça va, Germain? Poppy. C'est quoi ta question?
As-tu un bon char pas cher à me suggérer, là? Oh, là, ça, c'est toute une question, mon Gilles, là. Tu peux-tu me fournir un choix de réponse? Ou... Ben là, une américaine ou une japonaise? Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On doit aller à une pause publicitaire. Merci pour votre appel et à la prochaine. Vous voulez un service de qualité, pas cher partout? Un service courtois dans une atmosphère chaleureuse. Venez chez L'Emploi Mécanique Générale. Que ce soit pour un changement d'huile ou de pneus ou toute autre réparation que je découvrirai, confiez-moi votre voiture et c'est certain que vous serez de retour dès le lendemain. L'Emploi Mécanique Générale, le général de la mécanique. De retour en onde, clenche-moi ça avec Germain Langlois. Eh bien, on prend un autre appel. Germain Langlois vous écoute. Bonsoir. C'est quoi votre nom? C'est Nathalie de Vaudreuil. C'est quand même rare comme nom de famille, hein? J'ai de la misère à partir ma voiture le matin. Ah, avez-vous essayé de la partir avec une clé? Oui, j'ai essayé. Mais quand je le pars, le moteur tourne un peu, il se met à tousser puis il étouffe. Oh, oh! Est-ce que l'exhaust crache de l'huile? Oui, pas mal. Est-ce qu'il tremble? Oui. Est-ce que le moteur monte en température? Me semble, oui. Mais dans ce cas-là, là, vous devriez mettre votre voiture au repos, la frotter avec du Vicks puis donner beaucoup de liquide! Roxane, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien, vas-y. Eh bien, voici. J'ai beaucoup réfléchi à ton concept de kilomètre-heure émission, là. Et puis, je me suis dit que peut-être tu pourrais songer à me donner une chronique sur l'émission. Mais quel genre de chronique? Bien, j'ai pensé à une chronique où on parlerait de la bonne conduite automobile et qui s'intitulerait Jean-Louis Prudent. Pas sûr. Que c'était ton premier show. Ouais, ouais, mais pour un premier show, c'était pas mal, non? Popé. Ouais. Quelle partie vous avez préférée? Conseil technique? Pas vraiment. La ligne ouverte? Non plus. Ben, laquelle, d'abord? Le bout où t'as fait jouer de la musique. Mais c'est une échelle de 1 à 10, là. Combien vous me donneriez à peu près? Ah, c'est dur à dire vite de même, hein, Nico? Oui, oui. Mais tu sais, Germain, dis-toi que tous les grands ont commencé au bas de l'échelle, hein? Êtes-vous en train de me dire que je pourrais devenir un des grands de la radio? Grand, faut pas exagérer. Ouais. Tu sais, ça me surprendrait que C'est quoi t'engage un jour. Denis, salut. Ah, Roxane! Comment allez-vous ce matin? Qu'est-ce qui te prend? Quoi? Est-ce que c'est mon élocution qui vous impressionne? Non. Arrête! Tu me fais peur! Ouais, j'essaie de te montrer que je suis capable de bien parler. Ben oui, mais c'est un show de char qu'on fait, là. Pas une émission de livre avec Robert Guiscully. Mais là, branche-toi, là. De toute façon, là, il y a pas juste ta diction, là, qui cloche. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ben c'est qu'hier, là, on a présenté la cassette à un groupe cible, là, et puis ils ont trouvé que ton look, là, ça fait vieillot. Mais ça fait vieillot? Ben oui, mais c'est pas moi qui le dis, là, c'est le public, hein? Quel public? Ben, mes chums de filles. Est-ce que tu penses que je vais changer pour une gang de fraîches pêtes, hein? Oh, ben là, Denis, hein, si tu veux pas changer, fais à ta tête, sauf que nous, là, on veut rejoindre les jeunes, là, pas juste les quinquagénaires. Ça va, Germain? Non. Qu'est-ce qu'il y a? En réunion avec les patrons de la station de radio, ils sont pas satisfaits du résultat de mes cotes d'écoute. T'as eu combien? 4. 4 000? Non. 400. Non, 4 personnes. Hey, pauvre toi.
Ouais, rendu à ce point-là, c'est plus un show de radio, c'est un appel conférence. Voulez-vous arrêter de me parler du nombre de mes auditeurs? Je refuse d'être soumis à la tyrannie des cotes d'écoute. Contrairement à mes vulgaires compétiteurs, je ne fais moi que de la qualité. Oui, oui, hein, c'est ça qu'on a vu hier, d'ailleurs. Hey, Romain! Te voilà, mon bon ami. Denis, il faut coûte que coûte trouver un moyen de faire augmenter mes cotes d'écoute. Pourquoi ne viendrais-tu pas à l'émission en tant qu'invité spécial? T'es tellement connu dans le monde de l'automobile. Ben, j'aimerais bien ça, mais avec ma nouvelle carrière à TV, il faut que je fasse attention à mon image. Sinon, je serais à la course. Sinon, tu viendrais? Ah, mais je serais fiché pas mal de mon image, quitte à scraper ma carrière complètement. Hein? Ça, c'est un chum. Hey, franchement, ben, c'est ton meilleur ami. Et en plus, je te ferai remarquer que t'es pas encore rendu à télé, à ce que sache. Il m'aurait juste un petit screen test de rien pour la faire dans le sac, OK? Tu iras pas habillé de même. Pourquoi pas? Ben, il me semble que c'est pas ton style vestimentaire habituel. Voyons, ça a toujours été dans mon garde-robe, ça. Ça fait bizarre sur toi. Sur un jeune, ça passe, là, mais pas sur un homme de ton âge. Voyons, hein, on veut pas juste attirer les quinquagénaires avec notre émission. Faut savoir s'ajuster, tu sais. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Salut tout le monde! Bon, alors, après avoir visionné votre screen test, ben on l'a soumis là, à un groupe cible pour qu'il nous donne leur opinion. Des chums de filles? Non, 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 non. Cette fois-ci, là, c'est un vrai groupe cible. Et puis, ils nous ont clairement mentionné que le meilleur animateur pour la série Kilomètre Heure Télé serait Francis. Comment ça? Ma diction était pas assez bonne? Non. Mon look trop vieux? Non, 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 tout était parfait. Ben, pourquoi d'abord? Ben, ils ont trouvé que t'étais pas assez naturel. Attends une minute, Roxane, c'était pas ça qui était convenu. J'étais supposé être co-animateur avec Denis. Ben oui, mais là, les plans ont changé. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que le monde veut. Non, pas question. Comment ça, pas question? Cette place-là revient à Denis Charest, puis c'est pas moi qui vais y voler. Je refuse le poste. Mais oui, mais c'est toi que le public veut. Ben, tu leur diras que ça m'intéresse pas si Denis Charest n'est pas avec moi. Bon, ben là, si tu prends comme ça, parfait, hein? Si tu veux rester un petit chroniqueur minable toute ta vie, c'est ton choix. Ingrat! Elle est fâchée, la madame? T'étais-tu vraiment sérieux? Oui. Vous savez, M. Charest, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes un modèle puis le meilleur chroniqueur automobile au Québec. Pour l'instant. Tu vois, ça, c'est la partie essai routier. Et comme il y en a beaucoup, ben j'ai pas le temps de toutes les faire. Donc, j'ai peut-être besoin d'un collaborateur. Vous êtes sérieux? Oui. On est-tu en train de devenir des amis? Commençons par collaborateur. Ah, OK. Tu sais, Francis, ce que tu as fait pour moi, là, je suis pas sûr que je l'aurais fait pour toi. Je le sais. Mais moi, c'est avec vous que je voulais travailler, M. Charest, personne d'autre. Mon Dieu, il essaie de l'étouffer. Oh non, ça va, ça va, ça va. Mélanie, je veux juste que tu saches que t'as raison d'être fière d'avoir un chum comme lui. Ça va, Pain? Oui, ça va très bien. Sauf qu'il faut que j'aille, moi. Pour ce qui est d'aller prendre une bière ensemble, là. N'importe quand, hein? Anytime. Hein? Allez prendre une bière. Lui puis toi? Oui. Coudon, l'as-tu fait fumer quelque chose? Faites-en pas, Mélanie, il va revenir à la normale le temps de le dire. Ben, je peux même l'aider un petit peu, si tu veux. Je suis vraiment content que tu aies accepté, Denis. Écoute, j'en mettais mon meilleur chum, mais je ne pouvais pas te laisser tomber. Tu sais, ça me touche que tu dises ça. Avec ta présence, je suis sûr qu'on va réussir à doubler les cotes d'écoute. Oh, attention, ça commence. Sur les ondes de CJPS 680, vous écoutez « Clenche-moi ça » avec Germain Langlois. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la dernière émission de « Clenche-moi ça » avec moi-même, Germain Langlois.
Alors, ce soir, j'ai l'infirme honneur de recevoir le réputé chroniqueur automobile, M. Denis Charest. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, si vous avez des questions à poser sur le monde de l'automobile, gênez-vous pas. On attend vos appels, là. Les circuits sont libres, alors allez-y. Bon, on a un premier appel. Clash-moi ça avec Germain Langlois, bonsoir. Docteur Mayou. C'est une joke, ça? Eh ben, ouais, c'est ça. C'est un habitué de l'émission. Oh, on a un autre appel. Clash-moi ça avec Germain Langlois, bonsoir. Oui, j'aurais une question pour M. Charest. Allez-y, monsieur. Oui, c'est à propos du Volkswagen W12. Le fait que le moteur soit si compact pour une 12 cylindres, est-ce que c'est parce que les deux VR6 sont dans un angle de 15 degrés? Francis, organise-toi et puis être à la maison quand je vais revenir.